Yo les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est parti pour un petit VOD review comme d'habitude, mais VOD review de ma propre game cette fois-ci comme d'habitude. Vous avez l'impression que vous avez déjà vu ce gameplay avec Chamber sur Xbox. Oui, chaque fois que je VOD review mes propres games, c'est Chamber sur Xbox. Ne me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, je viens de mourir. D'ailleurs, ne faites pas attention à ma coupe de cheveux là où, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont extrêmement longs et ils sont un peu bizarres, plus bizarres que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai mis du shampoing les potes. Ma douche. Voilà, je sais que les gamers, on n'a pas l'habitude de se doucher. La blague qui a été faite 1 milliard de fois, mais voilà, je me douche aussi. Donc, dites-vous que je me lave pas les cheveux souvent avec du shampoing. Je me lave les cheveux pas par semaine avec du shampoing. Donc là, c'était la journée du shampoing. Et quand je mets du shampoing, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est un peu le bordel. Donc on est parti les potes pour une petite game de Chamber sur Xbox. Comme d'hab, c'était off-stream évidemment. Donc je l'avais record et à chaque fois je record mes games quand je joue off-stream dès que c'est une game intéressante. J'aime bien la partager avec vous. Et généralement les games off-stream sont 1000 fois plus intéressantes que les games en stream. Ne me demandez pas pourquoi. Parce qu'en stream on fait les enfants à vie pour les caméras. Et du coup on est beaucoup moins focus et c'est le bordel. Hein, mes cheveux les potes, c'est complet. D'habitude c'est pas comme ça, c'est jusque là le shampoing après shampoing, c'est tes cheveux sont morts dans le film. Vous laissez un petit peu le sébum salir tes cheveux pour que ça redevienne comme d'habitude. Donc on est parti pour une petite game de Chamber. Comme j'ai dit, on a perdu les deux premiers rounds les potes. Donc ceux qui veulent mon crosshair que j'utilise dans cette game là, ligne intérieure 1 3 2 1. En crosshair noir, custom color, pour mettre vos crosshair en noir, vous avez juste à mettre custom color, vous mettez 6-0 si je me trompe pas. Je crois que c'était une game qui était un peu difficile au début et après à la fin je commence à vraiment cliquer. D'ailleurs les potes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo, surtout à vous abonner si vous regardez cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés. J'aimerais bien grind ma chaîne YouTube. Donc déjà on va essayer d'atteindre les 50k abonnés avant de passer aux 100k. Après plus tard, une fois qu'on aura assez de YouTube Money, tout ça, je ferai d'autres concepts différents sur YouTube, ne vous inquiétez même pas pour ça. Là, je récupère un premier kill sur Lyuru avec mon TP. J'ai bien posé mon TP au début de round sur Icebox, vous voyez, sur la petite box grise. Donc voilà, là, j'ai un peu raté. J'ai essayé de tirer deux balles par deux balles. Quelle est mon erreur là? Mon erreur, c'était de piquer au main et après avoir tiré deux balles, faut bouger. N'hésitez pas à bouger après avoir tiré des balles. Soit vous bougez à droite, soit vous bougez à gauche, ça va empêcher l'adversaire de vraiment vous tuer facilement. Donc dès que vous tirez, vous bougez, après vous arrêtez, vous tirez, vous bougez, ainsi de suite. Là je suis resté sans bouger, j'essaie de mettre un headshot à Omen. Forcément je me suis précipité. Si on rate nos deux premières balles, on bouge. N'oubliez pas ça, ça va vous vraiment permettre d'améliorer sur votre IM et être plus précis, etc. Donc là, une game qui commence un peu difficilement pour moi, on est en 0-3. Avec Chamber, ce qui est bien, c'est que généralement, on est courant, on a toujours des balles. Avec les Dunters, là j'ai vif putain de balles. Je fais toujours le même move avec mon TP sur Icebox. Après, attention les potes, je suis pas non plus le meilleur des main chamber. Mais voilà, j'aime bien le jouer comme ça. Tant qu'on est à l'aise, en fait, n'importe quel move, ça passe bien. Oui. Désolé pour ce petit dérangement. C'est chez moi. Alors là, c'est une écorande. On a planté le spike. Et voilà, on est mort. Il y a aussi des Français en face. Un Jade complète. Je crois que c'est un FR. C'est un petit peu éteindre. Je vois bien que vous aimez bien les petites vidéos comme ça, votre review que je fais off stream où je parle directement à ma commu Twitch. À ma commu YouTube, pardon, et pas Twitch. Parce que en fait, généralement, quand je fais des games sur Twitch, l'interaction ou même. C'est pas incroyable, je trouve, parce que franchement, je suis plus focus sur le stream. En plus, je parle pas vraiment aux gens qui me regardent sur YouTube, alors que quand je fais des vods comme ça, c'est plus facile de m'adresser à vous directement. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir vraiment sur ma chaîne YouTube ou de ma propre personne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Il y a une personne qui m'a... Il y a une personne, beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient vraiment voir un petit rush radiant. En stream, je fais pas de rush radio, mais un petit rush radio off stream où ça sera une série exclusive. J'en avais parlé la dernière fois sur YouTube. En gros, je fais un nouveau compte où je full tryhard de 100% A à Z pour grind au maximum possible dans rush radio, quoi. Du coup, je peux aller si je full tryhard sur un compte en off stream. Parce qu'évidemment, je tryhard en stream, et vous savez, voilà, c'est tryhard en stream et tryhard off stream, c'est deux choses différentes. Ceux qui ne le sauraient pas. Seulement les personnes qui stream ou qui ont déjà streamé peuvent comprendre de quoi je parle.
Là, c'est vraiment une game pas facile. Je communique pas beaucoup, hein. Comme vous le savez, quand je joue au stream, généralement, je communique pas beaucoup. Je préfère être focus dans ma game. En plus, là, je suis sur Paris. Et dès que je suis sur Paris, c'est pas pour faire le mec. Mais voilà. Dès qu'il y a des Français qui me reconnaissent, on finit par rigoler et tout. À la fin, on est moins focus et on finit par troll les games. Donc, j'aime bien jouer sur Paris. Mais le seul problème, c'est que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de Français. J'aime bien jouer avec des Français en vrai. Hein. Je serais pas streamer, je pense que ça aurait été ok à la limite. Et le fait que je sois streamer et tout, et que généralement, dès qu'il y a un Français, il y a beaucoup de chances qu'ils me reconnaissent. Au TikTok, Twitch, YouTube, peu importe. Donc c'est un peu compliqué. Là, le Gecko, il a fait un vrai clutch. Le Gecko, il était bizarre dans cette game. Hein. Vous allez voir qu'il n'était pas si... c'était pas si incroyable au début, mais à la fin, il s'est bien rattrapé. Après, celle-là, ça fait un petit moment que j'ai fait cette game, donc je me rappelle plus trop ce qui s'est passé dans la game. Donc on va vraiment découvrir ensemble cette game. Donc dites-vous que cette game, même moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est une bonne game. Parce que si c'est pas une bonne game, je supprime directement. C'est pas intéressant pour YouTube ou quoi. Et quand c'est intéressant, je laisse. Là, comme vous pouvez le voir, les potes, j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai de l'argent peut-être, mais je préfère l'ulti directement avec Chamber. En fait, quand j'ai généralement, j'ai mon ulti, je préfère l'ulti directement. Et pas temporiser l'ultimate pour garder le bon moment. Parce que généralement, on attend le bon moment. Et 3 à 4 ans, on ne l'ulti pas et on perd du temps bêtement. On perd des stacks. Parce que chaque fois que vous allez mourir, vous allez gagner une stack d'ultimate. Donc pour optimiser ça, vaut mieux ulti directement dès que vous avez votre ulti. Après, attention. Hein. Pas ulti n'importe comment aussi. Là, c'est un round qui, que j'allais pas forcément acheter. J'étais mort dans le dernier round. J'ai pas d'armes. Donc j'ai plus ulti avec Chamber. J'ai le spike par contre. Alors là, j'ai pas compris. J'ai drop le spike. Et mes teammates ils comprennent pas que le spike a été drop. Voilà, ça c'est des teammates qui veulent pas forcément jouer le spike. Normalement c'est à Viper ou à Gecko de prendre le spike, surtout Gecko, mais je crois qu'il est mort. Viper récupère le spike, je fais un petit kill, j'ai oublié de mettre le trap, je mets le trap en retard. Obligé de mettre le trap dès le début aussi. Là j'ai l'info que 600 screen en hauteur. Je tempo 1. Je bait pas forcément la Viper, je sais qu'elle va gérer, j'ai confiance. J'ai pas besoin d'avancer, j'ai un opérateur, je la laisse planter le spike. Je sais que vu qu'il y en a un qui est Rafters, forcément il pourra pas piquer, j'ai raté cette balle, c'est incroyable. Je suis pas le meilleur joueur d'opérateur, mais là pour le coup c'était vraiment simple. Voilà. J'ai fait un petit kill dans ce round, mes teammates ont très bien joué. Bravo. Donc voilà les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme vidéo vraiment sur cette chaîne YouTube. Faites-vous plaisir, dites-moi vraiment vos recommandations. C'est avec plaisir que j'essaierai de faire ça. Les commentaires avec le plus de pouces bleus ou les commentaires qui en reviennent souvent, j'essaierai de les faire pour faire plaisir les potes. Donc ne vous inquiétez pas. Après Icebox, pourquoi j'aime bien Pick Chamber sur Icebox? Icebox je trouve c'est une map un peu tricky. Icebox, généralement sur une map on est soit fort du côté d'attaque, soit fort du côté défense. Et moi sur Icebox du côté défense je suis vraiment mauvais. Et du coup j'aime bien Pick Chamber pour vraiment essayer de jouer un petit peu en défense, un peu en mode tricky. Là c'est smoke mid, je fais attention. Je fais attention parce que je sais que le Omen il aime bien jouer dans les smokes, etc. Surtout les Omen sur Icebox. Donc là je fais vraiment attention pour pas me commit, voilà. Vous avez vu le chat, c'est pourquoi je fais attention. Toujours faire attention. Le Yoru il me tue. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange que je vous appelle le chat parce que vous n'êtes pas vraiment le chat. Mais j'ai l'habitude de parler à ma chaîne Twitch. Donc, généralement je m'adresse au chat. Et si comme même quand c'est YouTube, je dis le chat. Voilà, c'est les réflexes des streamers. J'ai bien mis plus d'heures et plus de temps sur Twitch. 1v3, Reyna, elle récupère un kill, elle est en 1v2, Esqueva. Ok, Reyna elle clique. J'avais oublié qu'elle cliquait autant. N'hésitez pas un petit peu à sonder vos alliés dans les games. Hein. Quand vous voyez qu'un allié il est bon. Voilà, j'ai même wellplay, je le félicite et tout, j'aime bien un peu sucer mes teammates. Vous voyez souvent dire wellplay, good job, nice, des trucs comme ça dans les games, c'est pas pour rien en fait, c'est pour encourager les alliés. Ça peut paraître bizarre, mais d'encourager vos alliés, ça peut vraiment faire la diff. Même quand vos alliés font un kill et tout, n'hésitez pas à les encourager. Plus vous les mettez en confiance, et plus ils sont bien dans la game, plus ils seront à l'aise et plus ils vont cliquer. Je sais que la plupart du temps, nous, les joueurs de Valorant, on aime bien être toxiques. Mais moi, je suis pas toxique, mais ça arrive de tilt, etc., de pas faire attention à ça. Mais un petit roleplay, un petit nice, coup de pique, tu vois, ça peut vraiment faire la diff. Il faut mettre toutes ses chances de son côté pour gagner une game. J'ai mis le trap derrière, au cas où ça nous flanque. Là avec Chamber en attaque 7, j'ai vraiment un gameplay passif. Hein. Très passif. J'ai beaucoup d'erreurs dans cette game. Hein. Ce que j'aime bien, c'est quand je vois de revue, c'est que je vois que j'ai toutes mes erreurs. Là, carrément, de ma façon de tirer, je vois que c'est
C'est pas que ça... En plus, je décale en étant shift. Là, c'était vraiment mauvais, mauvais de ma part. J'étais pas en mouvement, donc forcément, j'étais immobile. Et une diète qui vous pique pendant que vous êtes immobile, forcément, c'est un friquet, elle a une pandale. Donc vraiment, être un peu plus mobile, les potes. C'est important. D'ailleurs, en parlant de... En plus, j'aime bien faire des mots de rue, parce que dans les tournements comme ça, où je suis mort, je peux vraiment discuter avec vous de tout et de rien, et de vraiment raconter ce que j'en fais de vous raconter, de vous poser des questions. J'ai fait un sondage récemment sur YouTube, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le sondage, c'est dans Communauté. J'ai proposé, j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez bien voir comme live Twitch, ainsi que des vidéos YouTube, hein, hormis Valorant, exactement. J'avais fait plusieurs propositions, commençant par Apex, CSGO, Overwatch, GTRP, Rocket League, etc., etc. Et apparemment, il y a eu plus de 2000 votes. Et parmi 2000 votes, il y a eu 51 ou 52% de votes pour les jeux d'aventure, jeux de solo et jeux d'horreur. Donc tout ce qui est jeux solo. Très intéressant, il y a Elden Ring qui est revenu beaucoup, 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 beaucoup. Et il faut savoir que moi, je suis pas un très, très gros gamer, les potes. Je joue à League of Legends. Je joue énormément à Valorant, League of Legends, un petit peu d'Apex quand il y a longtemps, un peu de Fortnite vite fait. Et récemment aussi Fortnite. Donc j'aime bien découvrir des jeux, de nouveaux univers, etc., de nouvelles aventures. J'ai vu que Elden Ring ça ressortait beaucoup, beaucoup. Je ne me connais pas beaucoup en Elden Ring, je sais que c'est un jeu payant. N'hésitez pas à claquer vos Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça rentabilise l'achat Elden Ring. J'achèterai sûrement Elden Ring et je ferai un petit live d'Elden Ring, je pense, les potes. Histoire de se mettre bien. Je connais rien d'Elden Ring, hein. Je sais juste que c'est un jeu de boss. Faut tuer des boss, etc. Et... je sais que c'est un jeu de fou. Excusez-moi pour le terme, mais moi, Elden Ring, je vois vraiment comme le jeu gros geek. Évidemment, c'est un joueur de Valorant, je suis moi-même un geek. Et ce que j'appelle gros geek, c'est un truc encore au-dessus, vous voyez. Il y a geek, il y a geek originel. Geek originel, c'est tout ce qui est Elden Ring, ceux qui regardent Star Wars, des trucs comme ça. Bon, attention, hein, désolé, je dis pas ça méchamment, c'est... Et comme ça, dans le sens, voilà. Donc peut-être on se ferait des petits lives Elden Ring. Si vous voulez un petit let's play sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, de Elden Ring A à Z, n'hésitez pas. Ou même des reacts à des vidéos YouTube ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les demander, les potes. C'est votre moment, faites-vous plaisir. Essayez de faire le maximum de contenu pour YouTube, pour vous régaler un maximum. Donc n'hésitez pas, les potes. D'ailleurs, j'espère que vous avez acheté le Classic Gentlemate. En vrai, je rigole. Si vous achetez le classique Army Corp, je suis aussi content. Peu importe quel classique. Mais c'est bien d'acheter des classiques des équipes FR. Comme ça, l'argent va directement aux équipes FR. Je dis pas que les équipes FR sont pauvres. Et quitte à donner un peu d'argent, autant donner de l'argent à nos équipes FR. Il y a 50% des parts des revenus qui sont reversés directement aux organisations des équipes e-sport. Donc si on achète classique Gentlemate ou Army Corp, ça va directement à Gentlemate ou Army Corp. Là, je mets un trap derrière. On est courant. Ok, le trap s'est activé, je sais qu'il y en a un qui est derrière, je fais attention à Jet qui clique hein, dans cette game, donc je la pique pas n'importe comment, j'ai mon Edenter. Là je trouve que c'est un round de malade, hein. Je fais one tap ici, là c'est vraiment une écœurante, on est en 2v3, je suis en 1v3, et là je clique, triple kill avec l'Edenter. Edenter diff. Généralement à chaque fois le chat, les armes qui tirent une seule balle, je suis vraiment très très fort dessus, Guardian, Sheriff, Edenter, etc, etc. La première fois ils ont déconné, hein. Le Omen qui crush près. D'ailleurs, ça me dit dans le chat, hein. You are better with pistol. Vous avez vu? Même en face, ça me dit que je suis meilleur au pistol. I know, always sheriff, ouais. On clique toujours au shérif. Un très bon joueur est censé cliquer au shérif, les potes. N'oubliez jamais ça. C'est pourquoi c'est important de s'entraîner au shérif. Faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo. Comment je me warm up, comment j'entraîne mon IM. Plein de vidéos tuto, je pense que ça peut vraiment aider les silver et les gold. En plus, ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, j'entends des gens qui viennent sur mes live Twitch et qui me disent Sanjay, là j'ai des subs et tout. Ils me disent Sanjay, grâce à toi, j'ai réussi à monter gold et tout. Tes vodor views m'ont grave aidé et tout. Ça fait vraiment plaisir. C'est le but, les potes, c'est le but. DV2, le spike qui est planté. Jet qui est opérateur, du coup, j'ai sûrement pas pick, je jouais le temps. L'arena qui joue agressif, je la laisse jouer. Là, on temporise. Quand le spike est planté avec Chamber, généralement, on préfère temporiser. On a un TP gratuit. Il y en a qui est morte. Là, ça va être compliqué, les potes. Je me déplace. Et là, je flash le round. Non, j'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué. Après, la diète en face a bien joué. Hein. Tapote le clavier. J'ai mal joué. Pourquoi j'ai mal joué? Parce qu'en fait, j'ai voulu profiter de mon TP pour jouer le post-plante.
Mais le problème, c'est que j'étais trop visible. Et le Cypher qui allait me décale, forcément, j'avais une mauvaise ligne et c'était pas la meilleure des lignes à prendre. Après, on a au moins mis 4 ans dans la game, donc c'est pas si mauvais, si mauvais. Si vous entendez le jeu fort, en vrai, je vais quand même augmenter le son du jeu, comme ça vous entendez bien. Là, encore une fois, c'est le last round, les potes. Je profite, je tire avec Chamber. Hein. Autant profiter, je suis full buy. Je prends la ligne au mid, parce que ça va être un round. On va jouer default, comme vous pouvez le voir sur la map. Ce que ça veut dire default, default, ça veut dire qu'on s'éparpille sur la map et chacun joue sur une ligne différente, quoi. On dit on joue en défaut. Défaut, play for picks, play default. C'est-à-dire que voilà, on joue slow, on temporise, on joue pour les picks. On s'éparpille un petit peu dans tous les sens sur la map. En face, c'est la ulti. Vous avez vu, je fais vraiment attention. Pas besoin de se précipiter, je détruis la jet avec un bon flick headshot là. Maintenant, je garde le flank. On joue vraiment slow en default et mon but c'est vraiment de gagner le round, donc il faut pas se précipiter au même qui TP. Au même qui TP et j'ai fait un très mauvais flick. D'ailleurs, sur cette game, j'étais en. Tu sais qu'ils veulent ma sensibilité de souris. Cette game là, j'étais à 800 DPI, 0,4 de sensi. Dites-vous que c'est ma sensi depuis toujours, 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 depuis super longtemps. Là, j'ai changé de DPI, je suis passé à 1600 DPI, 0,2 récemment à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Mais dans la game actuelle, j'étais à 800 DPI, 0,4. C'est quoi la différence entre 0,4 et 0,8? Enfin, 0,4 et 0,2. Il y a juste le DPI qui change. Et vu que c'est 800 plus 800, ça fait 1600, c'est à peu près la même sensi. La seule chose qui change, c'est qu'en 1600, vous allez sentir que c'est plus rapide et c'est plus fluide. Je vous ferai une petite vidéo sur ça. À chaque fois, je vous dis, je vous ferai une vidéo sur ça, sur ci, sur ça. Yeah, I backed. I was kitchen, I backed. En gros, avoir votre sourcil en 1600 DPI sera beaucoup plus simple pour vous. J'ai baissé le son parce qu'il parle très très fort. En fait, votre sourcil vous paraîtra beaucoup, 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 beaucoup plus fluide. Plus votre DPI est élevé, apparemment, moins vous avez d'input lag. Donc votre sensibilité de souris et plus votre crosshair, les pixels, etc. se déplacent à une rapidité, comment dire, accrue, meilleure. N'hésitez pas à vérifier sur YouTube tout ce qui est par rapport aux DPI de souris et tout. Je sais qu'il y en a, ils ne savent même pas comment trouver leur DPI. Je l'expliquerai dans une vidéo, parce que c'est un sujet assez complexe, il faut aller dans les détails et tout. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de geeker sur Valorant savent, mais ceux qui sont un peu plus bas et low et tout, ils savent pas forcément. Il y a plein de choses à savoir, les potes. Plein de choses que vous ignorez. Et les plus hauts et low savent, mais que vous ne savez pas. Pourtant, c'est pas des secrets, hein. Défense round, je pique. Shérif, premier kill. Deuxième kill, le Omen me check pas. Vraiment, Headhunter, chaque fois que je suis au Headhunter, on fait plus de kills que quand on est avec une Vandal ou quoi. La carry. Oh, triple kill, comme je vous ai dit, le chat. Headhunter en clic, hein. Tout ce qui est Shérif, Headhunter. Gardien. Les armes avec une seule balle, on clique toujours mieux, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est le cas. Pourquoi les potes? Je pense que vu qu'on a qu'une seule balle dans le chargeur, on prend plus notre temps à tirer vraiment dans la tête. Là qu'on a une mandale, on sait qu'on peut tirer plusieurs balles, donc on est un peu feignant, je dirais. Donc clairement, Edenter, ça tire. Faudrait que je vous fasse une build sur Phoenix quand même. J'arrête le chat. Je vous dis à chaque fois, faudrait que je fasse ça. Ça viendra, tout viendra. Tout viendra, un par un. Ne vous inquiétez pas. Là, j'ai mis un petit trap. Attendez, je vais éteindre la lumière parce que là, je suis tout dedans. Éteindre la lumière du plafond là. Un petit trap, Edenter en défense. Pourquoi je vais sur B alors que tout à l'heure, je vais jouer sur A? Parce qu'il vient de perdre sur A. Donc, automatiquement, l'être humain veut aller sur le site opposé. En pensant qu'il a une meilleure chance. Malheureusement, là, ils n'ont pas fait ce choix là. Ils ont plus la jouer au mid. Non, ils sont plus speed, on va dire. Viper qui fait un kill. Viper, je crois qu'elle a beaucoup cliqué sur ce round avec sa gardienne. Très bon achat, le gardien en deuxième round. On gagne le pistolet. Il y en a un mid, Cypher, je le clique, mais évidemment, il n'y a pas de pique en retour. Il y a sûrement un shérif ou un classique, je pense, un truc du genre. Viper qui clique encore. Viper qui continue à cliquer. Il a joué ça. En plus, vous pouvez voir mes réglages de jeu, j'ai les graphismes en élevé. Pourquoi je joue en graphisme en élevé? J'aime bien en fait, c'est parce que j'aime bien faire du contenu. Et avoir un jeu qui est un peu plus beau, c'est agréable à l'écran et tout. Je suis un tryharder, mais tryharder... Je suis pas un tryharder au point de m'avoir le jeu dégueulasse, vous avez vu. Le mieux, c'est d'avoir les graphismes bas, vraiment pour éviter toute input lag ou quoi que ce soit. En plus, là, vu que je suis en double setup pendant que je record, bah, mon setup gaming il fait juste tourner le jeu.
J'ai pas besoin de mettre les graphismes en très très lourd. Après, j'ai pas non plus les graphismes en full élevé. Certains réglages, j'ai mis en élevé et d'autres cartes là, j'ai mis un peu plus bas. Je remets mon TP comme d'habitude. Ça, c'est pour les gens qui jouent Chamber, même à Bailu qui savent pas faire ça. Vous avez juste à vous TP sur les hauteurs en début de round sur Icebox. Et après, vous faites des kills. Et dès que vous faites les kills, vous allez juste TP out. C'est pourquoi j'aime bien pick Chamber sur Icebox. Je pique pas beaucoup de Chamber en vrai. J'aime bien Chamber sur Lotus, j'aime bien Chamber sur Icebox. Des maps sur lesquelles il est vraiment très 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 fort. En fait, chaque map a des personnages un peu plus forts que d'autres. Je décale, hein, c'est le bonus round. Donc, vous pouvez le voir, on se faisait mener, on score. Il y avait 4-8. Là, on est complètement en train de remonter. Ne vous inquiétez pas, c'est Siri qui parle, qui me dit je suis désolé, alors que je lui ai rien dit. Attends, vous avez vu, je suis très discipliné avec Chamber. Quand je joue off-stream avec Chamber, je suis très très discipliné. Le gameplay, il n'est pas du tout agressif, c'est du contrôle en fait. Pas besoin de jouer ultra agressif quand tu maîtrises la situation. La patience est maîtrisée. Un gameplay contrôlé sur Valorant, généralement, je le trouve bien plus fort qu'un gameplay où tu fais des moves flashy et tout. C'est pas comme ça que je gagne des games, c'est pas avec des moves tout le temps, avec des moves flashy. De temps en temps, oui. Mais vaut mieux être régulier. Vers un bon game set, etc. Jouer tout le temps flashy, ça marche pas forcément. Et que il fait un kill, on aurait été que 3v1. Un bon bonus pour le coup. Là, je one tap encore le gecko. Nether, ça clique, hein, le chat. Chamber, c'est complètement fort, complètement broken pour moi, sur certaines maps en tout cas. Tellement fort, Chamber, hein. C'est tellement fort. T'as un Headhunter, t'as des balles gratuites. Jamais au Neko, en bonus round, t'es un monstre. Ça clique un minimum. Franchement, si tu cliques un minimum et que t'es chaud dans la journée, tu sais que tu cliques aujourd'hui, c'est vraiment facile. Facile, déchet facile. Je mets le TP là. En TP, j'ai mis le trap. N'hésitez pas à copier mes setups, les potes. Quand je fais des vodorovies dans mes propres games, n'hésitez pas à regarder le gameplay. Observer ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. N'hésitez pas à vous inspirer, etc. De faire des choses même mieux que moi. Forcément, je suis pas parfait, loin de là. Je fais des erreurs aussi. Je récupère un kill, ça c'est très bien joué. Vous avez vu, à chaque fois que je fais le move du TP, ça passe crème. Les gens ils s'y attendent pas. Après, faut pas le faire tout le temps, tout le temps. Là j'ai fait un kill, mais après je pense que je vais faire attention. Je fais un double kill, un triple kill. Ah ouais, ce round je les ai vraiment éteints. Après, je crois qu'ils sont en semi-buy en face. Donc là, on les a vraiment, vraiment, vraiment éteints. Bien joué ça. Hein. On a pratiquement réussi à défendre le site à nous tout seuls, les potes. Et ça, c'est la force de Chambereux. Je pense que je vais sûrement aller sur OB. Ouais, je me connais par cœur. Je vais devoir vivre ma propre game et je sais déjà ce que je vais faire. Vu que je viens de gagner sur A, ils étaient en semi-buy et qu'ils viennent de se faire déchirer sur A. Comme j'ai dit, l'être humain aime bien faire l'inverse après en pensant que ça va être meilleur. Donc, ils vont sûrement aller sur B ou au middle. Donc, petit trap ici, petit épée yellow. On est prêt à pick. J'ai vu toujours agressif avec Chamber en défense avec le TP. On a vraiment un gameplay défensif en attaque limite en jouant l'heure quand il chill. Et en défense par contre, faut vraiment profiter du TP. C'est toute la puissance de Chamber. Faut prendre les adversaires avec le TP, faire un kill, TP out, finir le site avec le trap. Ouais. Malheureusement, mauvaise déduction de ma part. C'est dur, donc je commence à rota. Vous avez vu, quand je rotate, je check vraiment au mid, etc. histoire de pas me faire surprendre. J'ai galéré, hein. J'ai galéré, j'ai full low woman et tout. La Jett qui est pratiquement en train de ace, c'est du 1v1 contre Jett. Je sais plus si elle a clutch. Je crois qu'elle a clutch. Je me trompe pas. J'ai galéré là, l'opérateur, ouais, elle clutch. Oh, le sacré flic, je l'ai dit, le wow, man. Impressionnant hein, quand un opérateur ça flic comme ça. Je suis pas non plus le meilleur joueur d'opérateur. C'est pas si simple. Elle a Ace, Kunai. Il a terminé le dernier kill avec l'opérateur Sakari. Je retourne sur B, les potes, vous avez vu? Je retourne sur B parce qu'ils ont planté sur A, ils viennent de perdre. En plus, je vois qu'on a, il y a Jett qui joue opérateur, qui gère. Et ça, c'est vraiment une question de game sense, expérience de jeu. Je vous jure que Valorant. Une fois qu'on monte vraiment en haut et low, évidemment, on peut monter avec l'AM, mais
au bout d'un moment donné, vraiment, l'intelligence de jeu, ça peut vraiment faire la différence. C'est ce qui va faire monter, gagner des games, gagner des rounds parfois. Roman qui clique, à chaque fois, il TP au mid et il fait des kills gratuits. Ce qui se demande, c'est quoi mon skin mandat, c'est la cryostasie, les potes. Kino Kitcher, c'est pas non plus le meilleur des skins. Un skin au Kitcher. Vu que j'ai les skins aléatoires, ça me donne ces skins-là. Je récupère le TP, vous avez vu, j'ai laissé le trap. Hein. J'ai laissé le trap, j'ai pas récupéré. Au cas où, il y a un joueur qui passe par là. Donc là, il push sur B, je pique pas, hein. Je bait pour Reyna, regardez bien, je bait. Là, je kill, je décale direct. Je pique pas, je reste pas à essayer de faire un double kill, je grid pas. On sécure les rounds, les potes. Je vous jure que ça peut vous paraître bizarre, mais chaque round, faut le sécuriser. Regardez pas vos games par rapport au kill. Regardez pas votre KDA, évidemment c'est important, mais au lieu de regarder votre KDA, regardez par round. Chaque fois, essayez de réfléchir comment on peut gagner ce round, round par round, step by steps. C'est le mec bilingue et tout, mais vous avez capté ou pas? C'est que vous allez vous focaliser sur le KDA. Focalisez-vous sur les rounds. Quand vous allez commencer à vous focaliser sur les rounds, vous allez devenir moins greedy, vous allez faire des trucs sensés. Commencez à gagner round par round, les potes. Round par round. Round by round. Ils viennent pas beaucoup sur OBR. Hein. Je tiens ma ligne. Je me dis qu'un jour ils viendront tôt ou tard. Donc bon. C'est vrai que cette game, ils venaient pas beaucoup sur B. Peut-être qu'ils s'abusent avec son opérateur. On se faisait des menées de fou en attaque 7. Vous avez vu, dès qu'on a changé de côté, tout a changé. Là, je commence à retard. Ouais, mes teammates, ils commencent à gérer. Plus on gagne de rounds, plus ça les met en confiance en nos mates et plus ils commencent à cliquer. Les rounds sont super importants. Vaut mieux être en 0-8 limite de, en KDA et être en 8-0 que l'inverse. N'oubliez jamais ça. Deux bons double kills de ma part. J'avais un bon shoot hein, cette game. J'aurais pu faire quand même plus de kills. On n'est pas parfait, mais clairement là, mon shoot n'était pas si mauvais. J'avais un shoot ok même, je trouve. Let us see what I say, la 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 la. Je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il dit. Là, 11-8 les potes, je retourne sur B. Je pense qu'à force de vous faire des vaudreviews avec mon chamber d'icebox, je pense que vous... Il y a pas mal de gens qui commencent à capter le gameplay. Hein. N'hésitez pas à vous inspirer les potes, vraiment, vraiment faites-vous plaisir. Il y a rien de magique là-dedans, c'est des trucs vraiment très basiques. Prenez ce même gameplay là et vous le posez en... En silver, vous gagnez facilement. Après, forcément, vous n'aurez pas les mêmes teammates, évidemment. Il faudra s'adapter peut-être de façon différente. Non, je suis encore sur B. Ils ne viennent pas sur B, comme d'habitude. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le truc. Je commence à décaler. Hein. Je commence à décaler. J'ai capté que c'était la merde. Garde le mid, hein. Vous avez vu, je garde le mid. Pas besoin de garder le hall, dans le sens, il y a 3 de mes teammates qui gardent le hall. En plus, il y a un monde qui rota vraiment. Donc, vraiment, regardez des côtés où vos teammates n'en gardent pas. Et ça vient à force de regarder la minimap. Vous pourrez grandir la minimap si vous voulez vraiment. Comme un minimap, elle est vraiment très très grande. Après, attention, hein, pas tout le temps regarder la minimap. Parfois, ça m'arrive des périodes de duel en gardant la minimap. Ça plante sur B. On va jouer irrité qu'en 4v2. Je me précipite pas. Je mets un trap derrière si jamais ça nous flanque. Je me précipite pas, je joue vraiment retake en le temps safe. Pas besoin de se précipiter les potes, on a le temps. N'oubliez jamais les potes. Qualité avant quantité. Et si on fait un retake, essayez d'être quali dans vos déplacements, dans votre IM. En vrai je vous dis ça, mais je vous jure que je respectais pas tout le temps ça, hein. Ça dépend. Hein. Quand j'ai vraiment envie de faire les choses bien et tout, ça se passe comme ça. Mais quand je fais pas mal de games dans la journée... D'un moment donné, ça y est, je me déchaîne le chat. Je me déchaîne. Faut pas oublier quand je suis quand même un Valorant pour s'amuser avant tout que pour grind. Laurent, c'est important évidemment. On grind aussi, mais certains rounds on aime bien s'amuser quoi. On peut pas être tout le temps propre, tout le temps discipliné, tout le temps motivé. 12-8, ils ont pas mis un seul round depuis qu'on est passé en défense. C'est pour vous dire à quel point on défend super bien. Et mes teammates aussi gèrent de leur côté. J'ai ulti parce que je suis persuadé que ça va être last round, même si j'ai une mandale. Ah, s'ils viennent sur B, ils sont morts les potes. Hein. J'ai mon TP, j'ai mon trap, j'ai tout. Et il est encore sur A. Cypher qui est resté là. Hein. Vous allez voir, j'ai raté pas mal de fois Cypher.
Cette game, j'avais un IM qui était dégueulasse avec l'opérateur, bizarrement. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai de faire des kills, mais pas si simple. Voilà, là, je lui récupère le Stitch Cypher, très facile. Et là, c'est une game très facile. Très bon comeback. Quel comeback, le chat. Comme quoi, faut jamais abandonner vos games trop tôt. Jouez propre, clean, discipliné. Vous finissez toujours par gagner vos games assez facilement. La preuve. 4-8, on n'était pas tilt, on a changé de côté, on les a éteints, et la game est gagnée facilement. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, passez une bonne journée, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous! To the curb looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype.